Ok. Nous sommes à dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et commençons la lecture au verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, le Saint-Esprit, c'est pour l'utilité commune. Ça, c'est un principe de base. Si ça n'aide pas tous, ça devient une publicité pour vendre pour plaire. Si ce n'est pas Dieu. Il faut que ça soit pour l'utilité commune. Verset 8. Alain est donné par l'Esprit une parole de sagesse. C'est ce qu'on appelle le don de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Nous appelons le don de connaissance. Selon le même esprit. À un autre, la foi. Par le même esprit. À un autre, le don de guérison. Par le même esprit. À un autre, le don de rédemption. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Un autre, l'interprétation des langues. Et quand vous comptez bien, c'est ce qui fait les 9 dons de l'esprit. Comme on avait vu ça l'année passée, il y a 3 dons de connaissance. Amen. C'est juste la connaissance. La sagesse. La connaissance. Et le discernement. Là, c'est son don de connaissance. Et ça ne fait pas beaucoup de problèmes dans l'église. Il y a 3 dons de puissance. Il y a la foi, la guérison et les miracles. Ça, ce sont des dons de puissance. Même avec ça, ça ne fait pas de problème. Nous avons notre frère. Il vient, il prie sur les malades. Il part. Il n'y a pas de problème. Que les gens guérissent ou ne guérissent pas, ce n'est pas son problème, c'est le problème de Dieu. Mais les dons qui font beaucoup de problèmes, ce sont les dons d'inspiration. Il y a la prophétie. Il y a le parler en langue. Et il y a l'interprétation des langues. Ces dons-là, il faut les surveiller. On a connu d'églises où ce sont ces dons qui commencent à diriger l'église. L'église est dirigée par la parole. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Moi, je voyage beaucoup. Frère Branham me dit, quand le prédicateur est en chair, en train de prêcher, personne ne peut pas se lever et commencer à prophétiser. Le même esprit de la chair, le même esprit commence à prophétiser. Donc, c'est toi dont il faut le surveiller. La prophétie est donnée directement, même dans une langue bien connue. Il faut qu'il y ait un interprète dans la langue qui est comprise par tout le monde. Ça peut être dans des hommes, ça peut être dans des anges. Qui a déjà entendu une langue des anges? Mais les anges conversent entre eux. C'est dans les langues. C'est pourquoi ce qu'on ne doit jamais faire, c'est mépriser l'action du Saint-Esprit. Quelqu'un peut se mettre là à faire ça. Vous voulez qu'il fasse quoi? Ce sont des choses à respecter et à craindre. C'est tout. Pour ne pas parler mal, avec risque de blasphémer. Parce que si vous blasphémez, votre péché là ne sera pas pardonné. Dans cette génération, même la génération future.
Et nous devons bien enseigner nos églises. Amen. Amen. La langue est inconnue. Pour que ça soit compris, il faut qu'il y ait l'interprétation. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 14, quand Paul essaie d'enseigner l'ordre dans les esprits, il ne s'agit pas de la langue, qu'il prie pour que Dieu lui donne l'interprétation. Et si Dieu ne vous a pas l'interprétation, s'il n'y a pas d'autres personnes qui interprètent, taisez-vous. Et même quand tous doivent parler, que deux ou trois au plus. Si un message, ce message-là doit être jugé à deux ou trois personnes. C'est là que je veux préciser. Ce n'est pas que nous ne voulons pas faire pas la langue ou que les femmes ne prophétisent pas. Non, la Bible dit que c'est un point de salutien. Ne méprisez pas les prophètes. Mais examinez les choses et retenez ce qui est. N'annulez pas la Bible. Comme mon ami. Mais que cela soit jugé. Qu'est-ce que la soit jugée? Il est pas de communion de quoi? 1 Corinthiens 14. Verset 27. Nous allons bien ensemble. Mais tout ce chapitre, vous devez lire à la maison. On a pas de soucis sur la vie. En est-il qui parle à l'angle? Que deux ou trois au plus? Parle. Parle. Chacun a son tour. Qui a mon tour, nature yake. Pas tous les trois. Chacun a son tour. Et que quelqu'un interprète. Il faut qu'il y ait l'interprétation. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. On parle à soi-même et à Dieu. Non. On se taise dans l'église. On parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, ici, ce ne sont pas des prophètes de la parole, ce sont ceux qui ont donné des prophètes. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent. Et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier c'était là. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, notamment mon foie d'Anna, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits prophètes, les esprits prophètes. Dieu, c'est un Dieu d'or. Donc il y a de l'ordre. Et quand il y a une prophétie, que cela soit jugé, que cela soit examiné. C'est ça l'enseignement de Paul. C'est ça l'enseignement de Verbe. Et respectez quand même le message. Et vous respectez pas 145. Ici, Branham parle de la doctrine. Pardon. Ici, c'est la page 345, vous avez l'ordre de 58. Mais là, je vais vous dire où je vais. Mais je voudrais vous dire qu'ici, Frère Branham parle de la doctrine. Il vous dit, exemple, au paragraphe 5. Nous croyons à la justification par la foi. Paragraphe 6, c'était 5, 6. Nous croyons qu'ensuite, le sang de Jésus-Christ sanctifie ces personnes. Ce que Frère Branham croyait avec son église. Nous croyons dans ceci, nous croyons dans ceci. Et il continue. Nous croyons aussi dans les dons du Saint-Esprit. Paragraphe. 31 d'abord. Ok. 31. Ensuite, avant qu'ils ne disent pas que c'est soit. Donc avant qu'ils ne disent pas que c'est soit. Il faut qu'il y ait dans la salle au moins deux hommes, deux personnes ou plus qui sont affermis spirituellement
dans la doctrine de l'Évangile.
Donc, l'exercice des dons, il faut que vous ayez dans votre église deux, trois, même plus, des gens bien affermis dans la doctrine de l'évangile. Alors les langues ne devraient pas être présente dans l'église. C'est ça la difficulté. Quand nous disons, frère, moi, Si vous avez des personnes qui sont ancrées dans la doctrine de l'église, là, ça va. Parler de Missouri. Parce qu'ils vont juger. Bata ukumu pale. Et comme abanako. Si ne sont pas là. Mazawadi ichunge mbele. Les dons là qu'ils attendent d'abord. Hey! Si la personne parle la langue. Kama muntu anasema muluga. A déclaré Paul. Vile Paulo alisema. Si il n'y a pas d'interprète. Kama kuna mtu akutafsiri. Et tout ça. Na yote. Qu'elle parle chez elle. Baseme tu paka kwabo kule. Où c'est mais quoi quoi et tu parles bonjour bonjour tu es musulman c'est pas mon lugar il n'y a pas de problème où à l'endroit où elle est ce que vous faites car cette personne n'a reçu une bénédiction personnelle et n'est pas fait pour l'éducation. Cette personne n'a pas parlé et qui interprétation parce que la langue quand elle est interprétée ça a la même valeur exacte avec la prophétie. Ah, je reprends. Cette personne après avoir parlé et qui a eu l'interprétation et ensuite deux ou trois juges selon la doctrine de Saint Paul énoncée dans la Bible et qui dit qu'il faut que ça soit jugé par deux ou trois juges. C'est ça la doctrine de Paul. Et c'est ça 1 Corinthiens 14. Et si vous n'obéissez pas à ça, n'importe quoi va s'introduire dans l'église. Toujours dans cette même prédication, Frère Branham a dit, c'est la raison pour laquelle, à chaque réunion de prière, le pasteur doit être présent. Pourquoi? Parce que quand le diable s'église et qu'il n'y a pas pas de personnes bien affirmées dans la doctrine, n'importe quoi va entrer et dévier l'église. C'est ça notre insistance. Ce n'est pas qu'on ne veut pas les dons du Saint-Esprit. C'est faux et archi faux. Et bongo, tena bongo zaidi. Et la même chose les songes et les visions. Ya mandoto na maono. La même chose avec les songes et les visions. Namna moja na maono mandoto.
Vous avez une vision, c'est bien. Vous avez un songe, c'est bien. Mais il faut que ça soit jugé. Je me rappelle, nous sommes à Sampoué. Dans une convention, pendant la pause, un frère est venu me voir. Frère, j'ai une question. Vas-y. Non. Un jour, j'étais endormi. J'ai rêvé. Un grand avion commençait à descendre jusqu'à entrer dans une termitière. Ça veut dire quoi? J'ai répondu, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Dieu peut parler en symbole. Le prophète, lui, a la capacité d'interpréter. Et quand il n'y a pas de prophète, si Dieu utilisait ces voix-là, il parle clairement. Amen. Pendant 400 ans, il dort. L'ange du Seigneur vient parler. Sans aucun symbole. Il lui a parlé clairement. Joseph, fils de David, ne répondit pas à Marie ta femme. La grossesse qu'elle a, vient du Saint-Esprit. Le fils qui l'a fait, s'est appelé Emmanuel. Ça veut dire Dieu parmi nous. Non, je parle clairement. Joseph. Et les noms que toi tu lui donnes, c'est les noms de Yahshua. Qui veut dire Jésus dans la langue. Mais en hébreu, Yahshua, qui signifie Jéhovah qui sauve. Et quand même, vous avez trouvé son sommeil. Qu'est-ce qu'il ne faut pas comprendre? Il allait aller chercher des jours. C'est la manière de Dieu. L'enfant, je ne sais pas, une année, quelques mois. Là où le roi Hérode avait attendu les mages, il venait toujours pas. Et il ne venait toujours pas. Il décide de tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Hérode est dans les dispositions de tuer les enfants. Joseph dort, l'ange vient lui dire, Joseph, fils de David. Réveille-toi. Celle ton bonheur. Va à Marie et le fils. Va attendre au pays d'Égypte. Tu ne reviendras dans ce pays. Quand tu auras appris que le roi Hérode ici est mort. Ok. L'ordre est clair. Même la destinée où aller. Il se réveille le matin. Il arrange son âme. Il dit à Marie, nous allons en Égypte. Prépare tout ce que tu peux prendre. Et le voyage a commencé. Et dans déjà parti. Il y a des gens. On apprend que Hérode a tué les enfants. Frère, quand il n'y a pas de prophète, je parle de plus clairement. Vous avez un songe. Vous voyez. C'était comme si c'était sur l'eau. Je voyais comme un arbre. Ça veut dire quoi? Même les visions. Ça veut dire la dernière fois. Mais on doit faire attention. Et bien gérer ces choses. Comment ça vous dit? Gérer ces choses. Ce matin, c'est le troisième messager. Il est dans son bureau de travail. Chaque après midi, t'entends comme un coup de vent. Et quelqu'un t'est debout devant. Vêtu en robe blanche. La couronne sur sa tête. L'immanentaire. Viens m'adorer. Toi. Sans discernement. Martin, regarde. Quelque chose en lui. Il n'était pas Martin. Quelque chose en lui. Martin, ne comprenez pas. Martin, n'est-ce pas? Martin, c'est moi Jésus. Il veut se lever. Quelque chose en lui.
Et en fin de compte, il l'observe. C'est alors qu'il découvre qu'il avait la couronne sur sa tête. Il se rappelle les écrits. C'est non le saint qui a le connaît. Nous sommes encore ici. Nous sommes encore allés au ciel. Vous le connaissez. D'où lui vient cette chose? Et tu écris Satan, Satan a disparu. Et toi, tu aurais adoré et sauté avec une grande joie pour aller crier par ton commandage de Dieu. Et tu es paru. Alors, les choses que nous ne devons jamais connaître. C'est pourquoi on doit être très, très, très prudent. Déjà dans l'Ancien Testament, il y avait l'Urim et l'Thummim. Quelqu'un est songe. Même si ça paraît bien, on a mené au temple. Les souverains sacrifiés sont. Et il avait son propre avec les 12 pierres, représentant les 12 tribus d'Israël. Quand tout est vrai, quand tu menaces ce que tu as vu. Ça, c'est ma maman. Oh, j'ai marché. C'est comme si j'étais à Marimboucha. Et j'ai vu le Boucha. Vous pouvez chier quoi? Et j'ai vu un grand arbre. J'ai regardé au-dessus. J'ai vu quelqu'un. Ça devait être Dieu. C'est vous qui interprétez. Mais quand vous parlez là, quand vous racontez votre histoire, les gens ne vous écoutent pas. Vous regardez. Si l'Urim et Thummim brillent, les gens sont rassurés. Ça vient de Dieu. Mais si vous racontez une histoire, on était en avion, l'avion est tombé. Là où j'étais tombé, il y a des bras, des manches, des manches. Et on m'a donné beaucoup d'argent, 3 millions de dollars. Tous les pauvres qui sont là. Ils vont aimer parce que 3 millions de dollars. Mais oui, mais tu ne me brilles pas. Ça ne dit pas de Dieu. Ça vient de Dieu. Et Frère Branham dit, l'Urim et Thummim, aujourd'hui, c'est la Bible. Les prophéties, les songes, les visions, ramener sa Bible. Et pour terminer cette partie, non, il n'y a pas d'autre point. Les songes. D'abord, ce n'est pas donné aux jeunes gens. Ah, il est parti où est-ce qu'il va bien? Non. Acte. Tu reprends Joël chapitre 2. Et qu'on a. Et tu as vu le surapi. Acte chapitre 2. Matin d'un coup de surapi. Chapitre 2. Commençons au verset 16. Les autres disent que c'était ivre. C'était en alors, c'est qui prenait la parole. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit. Vos fils et vos filles. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards, les songes sont attribués aux vieillards. D'abord, ils sont vieillards, fatigués, faibles. Et quand ils dorment, ils ne font jamais des songes. Et quand il y a un songe, c'est un événement pour un vieillard. Je dis tout le monde, il y a des gens qui sont couru. Il y a des gens qui sont couru. Nous travaillons d'abord pour aller au ciel. Et malgré beaucoup de songes, les gens peuvent voir. Il y a Ming. Il y a Ming beaucoup. Il y a des mots. Ce n'était pas des dieux. Il y a trois sortes de songes. Il y a Ming, Chétan. Beaucoup sont pour le diable. Il y a Ming, il y a beaucoup nombreux sont pour eux-mêmes. Il y a Mungu qui ont pour Dieu. Pour Dieu seulement. Pour Dieu. Qui ont sa peur, non ? Ecclésiaste. Oui. Chapitre 5. Mobile sur la table. Verset 2. Moustaki. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre la multitude des paroles. Mon pouvoir, vous voulez être insensé. Quand il parle beaucoup, c'est Moustache. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, amen. Pendant les songes, il y a plein de vanités. Il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi hein, Dieu. Beaucoup de songes, vous n'êtes pas spirituel. Il faut faire attention. Vous devez avoir beaucoup de démons. Et je vais vous dire un petit rien. Vous dormez?
Vous vous voyez courtiser une femme d'autre? On a dit, on a oui, sœur. Par la garde à Fanny. On a l'amour car. Je te réveille. Oh, démon, démon, démon. Oh, démon, démon. C'est ton esprit qui est corrompu. Mais vous en avez bien vu. On en a bien vu. Mais, la qui est ça beaucoup mettre les erreurs. Il lui a dit, il faut que je me fasse. Oh, il faut que je me fasse. 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 Il d'abord. Ce que vous voyez en songe, on a une ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Vous avez dit, moi chez moi, il y a un il a l'air dans cet esprit de Suisse. Quand on va qui en a, tu fais la prochaine. Vous savez, il y a le mango. C'est plein dans ton corps. Et même dans le vêtement, vous vous souvenez. Le mango n'a pas eu ta foi. Pas dans mon amour, cap. Ah, t'es ici. Nous avons connu ce qu'on a. C'est affaibli. Non, tu m'as fait bêcher. J'ai dit à tes vêtements. Mais. Là qui? Ah, vous coûtez bien, mon mouquet. Tu n'as pas cotisé une femme. Ah, vous coûtez bien, madame. Tu n'as pas cotisé la femme. Non. Ah, bah. Découpé. Tu qui es? Un autre versé. Vous t'as guiné. Mais vous toquez. Vous faites dans mon tour. Et tu souris, tu peux avoir l'eau. Oh, sœur, on a sorti. Oh, sœur, j'ai une parole. Une lumière, ça, non, pardonne-moi, ma sœur. Il est. Ah, il connaît, je sais, ma. Tu n'es pas enseigné. Ça montre que tu es mal enseigné. Tu peux enseigner. Proverbe. Mes amis. Cherche un demande, nous allons trouver. Tu as fait pour les pauvres, pas d'accord. Sur les songes. Ma bonne auto. Raison pour laquelle on n'a pas oublié le voyage. Les prédateurs, ils ont un la Bible. On est fait la Bible. Nous, qui les pour pouvoir bien discerner. Nous, il y a un peu de temps. Déjà, il se passe encore. On a pour ça. Vous, comment est capable de bien discerner? Déjà, tu vas quoi? C'est un livre de Proverbes. Non, pas les mais je suis un peu aussi dans Isaïe. Tu as fait qui en ailleurs? Ok, c'est dans Isaïe 29. Il y a Messiah, Matébili. Prenez la Bible. Isaïe 29. Verset 8. Nous sommes là. Faites-le mal. Comme celui qui a fait un rêve, il mange. Ça va, on a oublié qu'on a déjà là. Alors là, il va bien. Vous savez. Qui est-ce dans l'homme? C'est ma vie. Et c'est ton tombeau, il courage. Et comme celui qui a fait un rêve qui boit. Nous le qui ouvre mon pied. Ah d'arrot, et qu'on a coulé. Il s'éveille. À la mouka. Et puis c'est la disant. Ah dans la mouka, moi il coûte chaud, moi il coûte ya. Ça c'est un l'attitude des nations. Et là on peut laisser tomber. Déjà 3 jours. Ça fait 3 jours. Ah criot, n'est pas grave. Il est passé, n'est qu'à manger. Tu peux trouver même pas. On a là la mouka. Alors tu dors dans cette maison. On a coulé. Tu vas arriver, mangeant. On a là, il va y avoir quand t'as la barrière, n'est-ce pas coulé? Vous mangez, n'est-ce pas? Non, non. C'est très étrange. Ne faites pas des choses réalité. Tu fais des plans, ça va quoi? On a un cas. T'es réveillé. Mon double ouage. Il va te la femme et tout. 10 heures. 10 heures. Là, je suis dans un bruit. Alors, si vous c'est pourquoi c'est des songes. N'est-ce des diverses occupations. Le mando, il va se faire passer pour le meilleur. Tourne un fil d'azaï à ma chambre. Le temps des gens. Ah, tu vas arriver, fait l'ultime. Ah, bien, ça m'a fait mon mando. Tu vas arriver, ma chambre. Ni mando, d'autre. Ce sont des songes, ça. C'est important. Ça, c'est ma salle. Et non, t'es au milieu de mes mains. C'est la Bible. Bible. Ramène. Tout qui s'en va, il est bien. Et le dernier point. Il mène à peine à Goussago. Frère. Les saintes que nous avons aujourd'hui, ce ne sont pas les dons, les songes et les visions. Le Saint-Esprit dont nous avons besoin, c'est la personne même de Jésus-Christ. Sa vie à nous, sa nature à nous, et sa puissance à nous. Et c'est ça que nous appelons nous, les éléments du Saint-Esprit. Je me suis dit, Israël est l'église. Il dit, quand j'étais travailleur à la SSC, la compagnie des chemins de fer, il dit, quand on rangeait les wagons, on rangeait les marchandises. Mais avant de sceller, avant de plomber les wagons, il est wagon. L'inspecteur venait. Il vérifiait si toutes les marchandises qui étaient inscrites sur le bord des roues sont entrées dans les wagons. Et même si c'est entré, il vérifiait encore si c'est bien rangé. Tout est entré. C'est pas bien rangé. On a pris les cartons de saumage. On a mis en bas. Au-dessus, on a mis les sacs dessus. Vous pensez que l'huile va arriver? Ça va être endommagé. Ça va être endommagé. Donc, non, c'est mal. Il faut que ça soit bien rangé. Et tout doit être rangé. Et quand vous allez à la SNCC, à l'époque où la société avait combien, vous achetez d'abord les bordéros d'expédition. Et c'est là qu'on enregistre toute formation. C'est 50 cartons de saumon. 27 sacs de sucre. 50 sacs de sel. Il faut qu'on mette un document. Et notre document, c'est le document.
Alléluia. Tout ce qui est dans la Bible, voilà ce qui doit être rangé en nous. Nous sommes tous dehors. Bon. La parole doit être rangée. Non. Bien rangée. Et tout doit être rangé dedans. Et quand tu seras rangé dedans, nous serons déjà, nous, les croyants, et puis très vivants. Nous serons des vivants. C'est vrai. Et les pousses, et c'est vrai, les pousses aux paroles, parce que toute la parole sera bien rangée. Et avant de sceller, l'inspecteur, le Saint-Esprit lui-même, vient vérifier. Et j'ai toujours dit aux frères, nous ne sommes pas importants devant Dieu par nous-mêmes. Non. Ce qui nous rend très important devant de Dieu, c'est sa parole. Et c'est ce que Dieu scelle. Pas l'onction. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, vous demeurez en moi.
Et moi, je demeurerai en vous. Amen. Amen. D'abord, la parole. La parole. Neno, la parole. Neno, la parole. Neno. Quand c'est rangé en nous, nous devenons des paroles manifestées. Des paroles vivantes.